Moi si, je l'ai, c'est moi, c'était ma flèche, c'était ma flèche. C'est bon, parfait les gars, parfait. Allez, c'est bon, plus de place, il est mort. Wesh et moche, c'est Gitiat, on se reprend pour une petite intro sur Cofaction. Pour cette intro-ci, j'ai pas grand chose à vous dire, juste que je sais que dans mon dernier record, j'ai fait du trapping, et du coup là, je vais refaire du PVP, parce que le problème, c'est que j'ai pas 10 000 records différents sur Cofaction, j'ai parlé juste du PVP et du trapping, donc puisque je sors deux vidéos back-à-back de Cofaction, ben voilà, c'est un petit peu redondant, d'aimer, mais bon, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça le PVP. Pour le dernier concours, où je vous fais gagner deux full Volca, avec deux sur Volca, ben voilà, les deux résultats, les deux gagnants, donc GG à vous deux les mecs, contactez-moi dans les commentaires ou sur Discord, il est dans la description. Ensuite, pour le nouveau concours, en gros, j'ai tenté un nouveau truc, puis ça a bien marché, je vais vous expliquer ça juste après. Mais du coup, sur le dernier code, j'ai fait 100 likes, donc j'avais dit que j'allais multiplier par 5 le nombre de likes pour des PV. Donc, je vais vous faire gagner 500 PV, donc 100 likes, 500 PV. Du coup, pour participer, comme d'hab, c'est pas compliqué, liker, s'abonner, et puis il faut commenter avec vos pseudos sur Kofak. Pour le nouveau concours, je vais faire exactement la même chose, juste vous likez cette vidéo-là, et puis selon le nombre de likes, ben, vous aurez plus ou moins de PV dans le prochain record, donc je vais probablement faire x5 comme sur ce record-là, donc s'il y a 200 likes, ben, ça va faire 1000 PV pour vous. Bref, je vous avais dit que je serais de retour, je suis back sur le béton les jeunes, je vous laisse avec une petite présentation de Spirit Fight qui est un bon serveur, ok, c'est le serveur de X-Fireman, j'ai tout expliqué là-bas, je vais peut-être aller jouer dessus, parce que finalement, je compte aller sur Obscure Fight, mais finalement, pour l'instant, leur ouverture est un petit peu de la merde pour ceux qui suivent, donc bon, je vais voir où que je vais, pour l'instant, je n'ai aucune idée où que je vais, je continue vite fait Kofak, et puis c'est en derrière. Bref, petite présentation de Spirit Fight, très rapide et plus courte que d'habitude, et ensuite, le gros PP contre le Helper, en petit putaclic, je kill un full Helper, un Helper full Volca, je bégaye. Bref, c'est pas plus technique, je vous dis avec Shop plutôt pour faire des petits vues, hein, clin d'œil. Bref, les mecs, je vous avec la présentation. Ciao, ciao, les jeunes. Re les mecs, du coup, on se retrouve sur Spirit Fight. Alors, premièrement, pour toutes les informations du serveur, donc leur Discord, leur site, etc., tout est dans la desk comme d'habitude. Et puis aussi, il y aura leur Twitter, en fait, où ils vont faire plusieurs concours, comme par exemple un Twitter, un concours de 200€ de PB à win et de PayPal. Donc, si vous êtes intéressé à participer, ben go, allez dans la description de leur Twitter. Et moi-même, je vais faire un concours de 10€ de PB à win pour l'ouverture. Donc, allez participer si vous voulez. Bref, commençons par les nouveautés, mais en fait, juste avant de vous montrer tout ça, je vais montrer une petite vidéo en droite qui va s'afficher, qui va être ma première présentation que j'ai faite, alors V1, parce qu'en gros cette version-ci c'est une V1.5. Ils ont fermé leur ancienne version parce qu'il y avait quelques bugs et tout, mais cette fois-ci ils ont réglé tous les bugs qu'il y avait, ils l'ont réouvre, ils ont rajouté quelques nouveautés que je vais vous montrer, mais ils n'ont pas non plus 10 000 nouveautés, donc en ça c'est pour ça que c'est une V1.5. Donc si vous voulez les bases du serveur plutôt, bah allez voir la vidéo qui est en haut à droite. Du coup je sais pas quoi présenter, donc je vais présenter ça que j'ai jamais vu nulle part. En gros c'est une crafting table qui est transportable. Quand vous faites libre là-dessus, vous pouvez crafter un item, par exemple imaginons que je crafte un bloc de périote. Ensuite, vous mettez cela et puis vous pourrez crafter un bloc sans retourner à la table de craft. Donc ça c'est un système qui est assez utile, comme par exemple pour crafter des pépites d'or si vous avez des spawners à golem, je trouve que ça va être super utile pour des trucs genre. Et puis voilà quoi, c'est quand même assez cool. Ensuite, comme j'ai montré dans ma dernière présentation, comme j'ai dit à l'avoir juste avant, ben en gros il y a différents types de classes. Comme par exemple, il y a une armure pour la classe Wither, pas Wither, qu'est-ce que j'ai là, pour la classe mage. Et en gros cette armure là, déjà elle a un style 3D maintenant. Et puis comme à l'ancienne version, ben il y a certaines fonctionnalités à l'armure. Ensuite, je vais vous montrer les familles. Donc les familles c'est vraiment cool parce que c'est un petit peu inédit sur le serveur, j'ai rarement vu ça. En gros, vous allez ouvrir votre inventaire, il y a ici en haut à droite le petit truc. Bon, chaque famille seront achetables in-game avec de la monnaie ou sur la boutique, ça va pas encore, bon, en tout cas c'est sûr qu'ils sont achetables in-game. Et puis il y a différents types de familiers, donc en ça il y en a un paquet. Là je vais équiper le dauphin, je vais vous montrer 2-3, que le dauphin c'est pas compliqué, ça va vous donner Death Spreader dans l'eau. Donc en ça vous équipez le dauphin, vous pouvez avoir seulement un familier à la fois. Et puis quand vous l'avez, ben vous pouvez courir dans l'eau plus rapidement. Ensuite il y a différents types aussi, il y a le Navy par exemple, que quand on pose des minerais, en gros plus t'es proche des minerais, il y aura un son de la Navy en fait qui va dire hey listen ou je sais pas quoi. Attendez, bon là il y a un peu buggé, je pense qu'il faut que je décharge le chunk et le directif. Bon, je sais pas pourquoi il est buggé, mais je vais vous montrer aussi le compagnon Fireman juste après. Ensuite, parlant des familles, je vais vous montrer les montures. Donc en gros, il y a différentes montures sur le serveur qui sont dans un event Wyvern. En gros, c'est un event où il y a différents types d'œufs qui vont spawner. Donc en soit c'est des œufs, quand on va les casser, on va obtenir du stuff in-game, des clés, etc., des récompenses in-game. Et puis il y aura aussi un œuf de Wyvern qui va éclore. En gros, le premier, il va faire clic gauche sur cet œuf là. Ça va devenir un propriétaire d'une Wyvern. Au bout de 2 minutes, le truc va spawn. Et ensuite, ici, on pourra sélectionner, on prend les Wyvern, monter, et ça va être un truc que tu peux fly avec. Donc c'est sûr ça va pas être disponible en combat, mais par exemple pour chercher des fly, etc., ça va être super utile, ou juste se déplacer dans la Warzone, pas dans la Warzone, mais juste se déplacer dans la nature, etc., ça va être super OP. Ensuite, on pourra toujours la modifier, comme par exemple modifier son skin, modifier aussi sa couleur. Bon là, c'est des trucs qu'on vient de pas, c'est un paquet de trucs, bon là ils sont buggy, mais plus tard je vais les changer. On pourra changer leur skin, comme j'ai dit, leur nom, leur couleur aussi, etc., bref, c'est quand même assez.
assez cool, comme là déjà leur skin beaucoup plus stylé. Ensuite, on continue avec leur nouvelle dimension. Il y avait déjà la dimension du paradis dans la version, mais là cette fois-ci, il y aura des poulets de minerais, des golems de minerais et puis l'Enderman, genre à Magic Pearl. Donc en gros, quand on va tuer cet Enderman là, on va obtenir, putain, par contre, là il y a en Fire Aspect. Ah oui, j'oublie aussi, en gros, le compagnon Fireman, ça met, dès que tu tapes un mob, ça le met en Fire Aspect, même si mon épée est pas Fire Aspect. Bon, là ça peut marcher ici, mais bon, ça les met en Fire Aspect. Et du coup, les poulets ont un certain pourcentage de chance, comme les golems, de drop un certain minerai. Les Enderman, on pourra avoir les Magic Pearl que je vous laisse découvrir, comme j'ai dit plus tôt, avec la vidéo présentation de la dernière version. Bref, du coup, j'ai fait le tour du serveur, donc voilà. Si vous intéressez à venir, comme j'ai expliqué au début, toutes les infos sont dans la disque. Et puis moi, je vous laisse avec la petite vidéo normale, on peut dire, sur Cofaction. Donc, allez, je vous laisse, les jeunes. Moi, j'ai cobé RWX dans Fight, puis je l'ai headshot, là, puis... Je suis le Jedi, RIP! RIP, je suis le TP. Il y a le TP! Il y a le TP dans le chat, TP-vous, ça vous tombe? Tu veux le TP ou pas? Bah, ouais. Il faut le panier, genre, c'est sa troisième pomme qui mange, là. Attends, mais moi, je prends un juste une volcade, puis genre, j'arrive KitKat, ok? Ok. Il y a une volcade, là, c'est bon, j'en ai trouvé. Mais il bouge! Mais y'a personne qui bouge dans ce serve, c'est pas possible. J'ai mis 3 coups de punch, il continue de manger son joint devant moi. Oui, j'en ai. Please help, bro. Ah, je pense qu'il est en sueur, hein, Eric, ça. Bah, justement, t'es vous autres même, si j'ai besoin d'aide. T'es back, 4 mon beau. Je t'apporte toi, 4. T'es là, passé donc. Team back. Je t'apporte toi, 4. On peut le drop, hein. Alcatraz, il est headshot aussi. Bah, je m'en fous, moi. Ça me dead, comme y'a jamais personne qui va l'avoir, cette volcan là. C'est bon, je suis là, les gars, je suis là. Je vous back. On a compris, il était là, on a compris. Ouais, voilà. On a compris. C'est bon, c'est là, faut y mettre des coups, faut pas jouer là, faut y mettre des coups. Là. C'est bon, t'inquiète gros, je mets full coup là, t'inquiète pas. Attends, c'est facile en plus, focus l'épisode vert, flash. Ouais, c'est ça en plus qui est plus facile en fait. Faites-vous des ranks d'LP comme ça on vous focus. Attends, moi. Si on veut tuer vous digère, parce qu'il a digère qu'on a tué dit. Ok. Je les poise normalement. Parfait. Je prends la hauteur comme sur Fortnite. Mais rien que il focus l'autre, il attend 2 secondes, il recommify. Mais une chance qu'il y a une volcan, puis qu'on est encore stock là-dessus. Hein. On s'en fout du volcan, c'est bien mieux que drop un mix stuff volcan. Parce qu'en plus, moi je l'ai un V1, je l'ai un V1 toute la longue, il spam le chat genre TP all, oh my god. Mais après, non mais ouais. Tantôt il y a TP genre 4 ou 6 ou 4 ou. Je pense que tu as 100% il est poison. Moi si, là c'est moi, c'était ma flèche ça. Punchez-le, c'est bon. C'est bon, parfait les gars, parfait. Allez, salut. Il y a encore des buffs en moins de minutes là. C'est good les gars. Sérieux. Il y a TP. Il a TP. Ouais, il a TP. Ça fait le bus. Attendez-moi les copines. C'est grand, vraiment. Et ici le RW. Il a pas le droit de faire ça. On kill un helper full volcan, oh my god. La bonne vidéo. J'ai déjà mon titre. Rien que le drop. Sérieux, tu l'as le titre, le KitKat là. Le titre il est là. J'ai mon argent, c'est bon, il y a déjà l'argent. Mais en gros, genre, si disons tu le kills, c'est x2 de cash, c'est ça? Exactement, c'est un helper, puis il faut le volcan, man, c'est bon. Ok, fait la force, genre, à partir du moment qu'il y a helper, c'est plus de cash, mais s'il faut le volcan en plus. À partir du moment que le nom est en vert. Par contre, s'il t'insulte, tout ça, par contre, c'est pas. Oh, ça, c'est x10. Helper qui insulte, oh, ben ça, par contre, l'argent, ouf, comment ça va. Ah, mais les debuffs qui partent, par contre, c'est incroyable, genre. Tu sais que j'ai pseudo vert, faut que j'ai pseudo vert flash. Bah c'est qu'on est genre 3 pseudo verts, y'a Poséidon aussi. Ouais, pis le rack, vous êtes trop. Ah mais il va manquer de heal parce que ça fait il full pot heal genre. C'est plus cool, focus un famous, c'est plus facile. Y'a juste moi le monsieur. T'as plus de vues, surtout un pseudo rose. Non. Y'a Jackie Gang, y'a... Bon bah il retourne en bas. Non mais je parle dans la fac. Pourquoi l'histoire, il est full volcan, je peux te savoir là. Alcatraz, je l'ai éloigné super loin. Full volcan, c'est bien. Ah oui, et si tu veux savoir sur Jackie Gang, j'allais dropper Catch 3 hier. Ah bravo monsieur. Cette vie, quoi. Ouais, je l'ai drop. T'aurais direct KitKat, gros, on le drop en limite 2 minutes. Ouais, tu en as encore, man. Tout le temps poison, genre. Ouais, il est toujours. Oh, il est constamment poison, il reste encore une minute, il y a une autre headshot qui part. Je suis un taf de fou sur Alcatraz. Je reviens, j'en ai plus, je vais en chercher. Ah, allez, t'inquiète, on va pas assez. Parce que là, il va broke. Prends en 3 lignes, ça va être parfait. Bah, et son plastron qui va broke si. Bah, moi, sur moi, j'ai des. Mais je pense que ses bots aussi, ils peuvent peut-être broke. Bah, son cache en premier. Si c'est la double stuff, ouais, il peut avoir double plastron. Double plastron, c'est ses bots qui vont broke. Non, casque. Ouais. Oui, c'est tout le temps casse, il broke en premier. Toutes les stuff. Ah, c'est vrai. Normal, plastron, il broke grâce à. Bah oui, mais je suis un double plastron. Poison. Allez, hop. C'est bon, plus plastron, il est mort. J'ai tout eu, j'ai littéralement tout aspiré. Pense un peu, s'il te plaît. Bah, est-ce qu'on fait un random GF. J'ai tout aspiré, les gars, c'est bon. Allez.
J'ai mon je kill un helper full volca, oh my god. Attends, mais du coup là, attends, parce que déjà tu vas déjà faire 100 piastres à la vidéo, fait qu'on peut déjà, attendez.